Attendez, interdiction, un tour autour. Et le point de rendez-vous, c'est ici, d'accord? Sérieux, lui, ou quoi? De la voiture, tu sors. Tu sors de la voiture, tu viens avec nous là, de suite. T'es sûr de toi? T'es sûr? T'es sûr de toi? Ouais, je suis sûr. T'es sûr de ce que t'es en train de faire là? Ok, s'il veut pas, tu me le fumes dans 3 secondes. Ok, t'es sûr de ce que t'es en train de faire là? Hein, c'est parce que t'as le calibre là, c'est ça? Hein? Regarde, viens. C'est parce que t'as le calibre, c'est ça? Voilà. T'as raison, prends le calibre, t'as raison. Monte. T'as raison, prends le calibre. On va voir, on va te faire voir ce que c'est de faire un truc. Ouais, on va faire voir. Fais-moi voir. Tu me feras jamais pire de ce que j'ai vécu pendant 4 ans et demi dans cette putain de tôle, ok? Ouais, t'inquiète pas, ferme ta gueule. Ouais, ferme ma gueule. Ouais, t'as raison. Tu te sens bien là, tu te sens costaud, c'est ça? Ah ouais. T'es en train de faire une grosse erreur. Une très très grosse erreur. Tu fais une grosse erreur, t'inquiète pas, tu vas finir dans un trou, tu vas voir c'est qui la grosse. Ouais, tu fais une très grosse erreur, ami. Ouais, mets les mains sur la tête. Mais tu le sais en plus. Mets les mains sur la tête maintenant. Tu vas voir c'est qui les petites putes. Vous faites une très grosse erreur, les mecs. Ferme ta putain de gueule là. Ouais. Vas-y, parle. Ah, ta petite carte d'identité là. Ah, c'est prends, je te donne tout. Bien. Tu verras, j'ai plein de trucs sur moi. J'ai même de l'or. Go, tranquille, go. Allez, remonte ton cul là. Vas-y. Tiens. Vous essayez de la monter ou pas? Attends, je suis un peu bloqué là. Mets les mains sur la tête. Baisse les mains de la tête, voilà. On va te faire comprendre, mais que t'as pas l'air de comprendre encore. Tu as pas une petite musique latine là pour m'ambiancer un petit peu? T'inquiète pas, tu vas en avoir une de musique latine. Ah, ça me fait plaisir alors. Tu vas me chanter une belle chanson, c'est ça? Ouais, une très belle chanson. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ok, on monte au revend de pétrole. Au revend de pétrole derrière. À côté des éoliennes. Ouais. Tu peux me faire un peu visiter la ville pendant qu'on y est? Oh ouais, t'inquiète, t'auras pas le temps de la visiter. Ah merde. Je voulais un peu visiter. Ouais, c'est dommage. Je voulais voir si dans la ville il y avait une chica un peu plus bonne que la tienne. T'inquiète pas qu'il y en a une de chica un peu plus bonne que la mienne. Ah ouais? Eh, c'est vrai que la tienne elle a l'air un peu plate. Ouais, elle est un peu plate, t'inquiète pas, ta tête aussi elle va être plate. Non, pas quartier éolienne, désolé. Ouais, désolé. Je vais faire un petit tour de ville vu qu'il a pas eu le temps de la profiter. Ouais, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien que tu m'emmènes un peu voir les quartiers. Regarde, là, il y a un petit quartier. J'aimerais bien que tu m'emmènes voir ton petit quartier aussi. Ah, je dis au moins si tu vas passer à rouiller. Oh. Mais c'est du ballot, ça. T'as une belle voiture, en tout cas, hein. T'as fait quoi? T'as fait la prostituée pour l'avoir? C'est ça. Avec tes cheveux rouges, c'est ça, t'as dansé? Ouais, c'est ça, t'as fait. Ouais, je vois ça, ouais. Ça doit être ta chica qui te prend pas les couilles, toi, hein? Ouais. C'est pour ça que tu t'es un peu énervé tout à l'heure, hein? Tu vois, c'est vrai que tes couilles, tu vas plus les avoir, mon pote. Même pas si t'en avais déjà, en fait. C'est moi. À droite. Désolé, c'est un dit premier. Ah ouais, y'a plus rien. On va me monter ce gros tas de merde. Ouais, t'inquiète pas, tu vas pouvoir un peu lui titiller le trou de balle là. Je pense qu'il aime. C'est bon, vous suivez les êtres? Bon, je pense qu'on va faire ça là, hein. Ouais, regarde, on va monter ici. Encore mieux. Ah, ça ressemble au Mexique ici, ouais, c'est pas mal.
Ouais, ça ressemble au Mexique. Ouais, c'est bien ici. On dirait mon pays. Fallait me dire que tu m'emmènes dans mon pays, merde. Je me serais préparé. Ouais, je vais t'expédier dans ton pays. Bon, vas-y. Ok, viens voir ici, toi, espèce de petit trou du cul, là. Viens voir ici, là. Toi, tu viens dans cette ville, petit trou du cul, avec ton gang de merde, là. Tu viens, tu manques de quel gang, de quel gang tu parles, toi? Ah, avec tes vieux potes de merde, là. C'est quoi que vous faites ici, là? De quel gang tu me parles? Écoute, putain, moi, je sors de tôle juste à l'instant, ok? Tu m'en bats les couilles, tu rentres de... Tu vas re-rentrer, mais là, ce coup-ci, c'est pas dans la tôle que tu vas rentrer. Ouais. C'est dans du bois que tu vas rentrer, tu comprends? Ouais, je comprends, ouais. Non mais cousin, t'es là cousin, on se met une marave, ok? Mais là tu continues à manquer de respect, dire que tu vas violer les petites soeurs du quartier toi, t'es qui toi? Mais quelle soeur du quartier? Il y avait une chica, j'ai dit sa chica elle est belle, non? Ouais, pourquoi chica, c'est pas bien de dire ça? Écoute, arrête de faire ça. Elle va pas finir dans ton lit, non? Ouais, hey, mais toi je me rappelle de toi. Ouais. Le petit cheveu là qui est à côté là. Ouais, c'est toi! C'est toi qui. Hein? J'ai mis une belle petite droite là tout à l'heure. Tu te rappelles un peu? Ok les mecs, écoutez, bien. Merde, on est parti sur un mauvais plan, ok? Mais écoutez, Tranquille. Vous êtes en train de faire n'importe quoi là, putain. Tu vois ici, qu'est-ce que c'est? Tu vois ce que t'en face là? Ça c'est le 240 gang, mon gars. Tu connais pas 240? Ouais, non, je connais pas, non. Mais bon, maintenant tu le connais? Maintenant tu le connais. Ouais, je le connais, ouais. Eh mon gars! Ouais, tranquille, y a un blédard là dans tes potes là. C'est quoi son place là? J'en sais rien, Ombre, écoute-moi. Putain, je les connais même pas, ok? On sort tous de tôle, il était même pas avec moi en tôle, lui. Je sais pas, il est venu nous chercher, je sais même pas qui c'est, je connais même pas son nom, ok? On est arrivé, on s'est fait contrôler par ces putains de flics, ils nous ont cassé les couilles. Ok, ils nous ont emmenés au poste ou je sais pas quoi, préfecture. Après, vous êtes venus, je sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien d'autre, ok? Oui, après, on vous a monté en l'air comme le totem de Koh-Lanta, cousin. Ouais, monté en l'air. Ouais. Oh, Rouya, qu'est-ce qu'elle a dit à la sister là? Viens. Qu'est-ce qu'elle a dit à la sœur? J'ai rien dit, merde, j'ai dit qu'elle était belle, c'est tout. Elle allait finir dans son lit avec ses petites provocations de merde là. Et alors, c'est une chica. Chez nous, les chicas, on les traite comme ça, il est où le problème? Je savais pas votre tradition. Ici, regarde bien, ici, t'es pas chez toi, ici. Et alors, je connais vos traditions, moi, je connais pas vos traditions, ok? Bah maintenant, tu les connais, ok? Maintenant, je les connais. Maintenant, à chaque fois que tu vas nous croiser, tu vas baisser tes yeux. De quoi? Je vais te dire un truc, écoute-moi, écoute-moi bien, fous-moi un putain de gun sur la tempe et tire, jamais je baisse mes yeux, ok? Jamais, t'as bien compris ce que je viens de te dire? Voilà. Ok, t'es sûr? Respecter, ça veut pas dire baisser les yeux, d'accord? Je baisse pas mes yeux, envers n'importe qui, j'en ai rien à foutre moi. Maintenant, si vous voulez, on peut discuter, on s'est mis sur une mauvaise pente, on va dire, entre nous. Il n'y a pas de problème, on est là pour discuter après tout. Mais pas forcément là pour foutre la merde à cause d'une putain de femme, merde. Oh, les femmes, il y en a de partout. Même si je la respecte. Non mais cette femme-là, c'est pas une femme comme les autres, cousin. Et voilà, mais moi, je sais pas vos traditions, vos coutumes, vos trucs. Tu vois ce que je veux dire? Chez nous, la chica, même une chica dans un gang, on s'en bat les couilles. Chez vous, si elle est importante, ok. La prochaine fois, je serai. Pas de problème. Par contre, baissez les yeux, jamais de la vie. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Tranquille, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce mec. Ah ouais. Ah, j'aime bien ce mec. Il a des couilles. J'aime bien. Tranquille, c'est quoi là? Tu sors de prison? Ouais. Qu'est-ce que vous faites là dans la ville là? Là, on était là, je t'ai dit. On est sorti, on est parti prendre un petit truc là chez Aziz là, je sais pas quoi là. Et les flics qui nous ont embarqué direct. Voilà, c'est tout. On était juste comme ça entre nous, tranquille. Avec certains que je connais parce qu'ils étaient en prison avec moi et d'autres que je connaissais pas. Ok, tranquille. Y a pas de gang ou je ne sais quoi, je ne sais rien, conneries là, je sais pas moi. Moi je sais pas, tranquille, il parle cousin, il dit ouais, les cheveux rouges, c'est quel bladard là? J'en sais rien, je t'ai dit, je le connais, ça veut dire je l'ai connu, allez, 20 minutes on va dire.
Tu vois, même son nom, je m'en rappelle plus. Ok, ok, tranquille. Bon, tranquille, tranquille. On est parti sur de mauvaises bases, mais regarde, maintenant je suis là pour rester un petit peu sur Los Santos, tu vois. On est obligé de, comment dirais-je, de, on va dire, de vivre ensemble. C'est le vivre ensemble, ok. On va pas se foutre sur la gueule à chaque fois dès qu'on se croise, ok. Ouais, c'est ce qu'on dit, sauf que le problème là, tu... Toi, je t'ai déjà dit au sujet de la chica, ok. Écoute, regarde, on se cogne, cousin, on se met dessus, on sort gagnant, tu vois. On sort gagnant parce qu'il y a un mec de chez nous, il est debout. Vous êtes tous ouais, partis. Oh, il y avait un mec de chez nous qui était debout aussi, ok. On était deux debout encore. On arrive à l'hosto, cousin. Tes mecs étaient des bonhommes qui sont avec toi. Là, ils font encore le malin, ils insultent, cousin. Voilà. Toi, je comprends pas. Nous, on se cogne. Et après, à la fin, cousin, ça se traite pas comme ça. Tu comprends? C'est le respect, cousin. On se met dessus, là, pas de problème. On va se cogner. Écoute, juste écoute-moi, gringo. Soy un mexicanos, ok. Un Mexique, ça se passe comme ça. Je sais pas chez vous comment ça se passe. Au Mexique, ça se passe comme ça. C'est ça que je vais te dire. Soy un mexicano, ça veut dire qu'il y avait 4 mexicains avec nous. Tu vois, les 4. On est 4 en tout. Les 3, je les connais bien. Les 2 autres, j'en sais rien du tout qui c'est. Ok? Moi, je peux dire que les 3, je les connais bien. On était ensemble en prison. Ça se passe comme ça. Même en prison, on se tapait dessus et on s'insultait après. Et alors, c'est pour ça que tu vas péter un plomb? C'est comme ça. On va pas se faire des bisous, non? Non, non, tranquille, je te parle pas de bisous, moi ce que je te parle, cousin, c'est que là, t'as manqué de respect à la mauvaise personne, c'est tout. J'ai manqué donc de là, respect à une chica. Non, y'a pas de chica, chiki, chuku, là. Là, c'est la sister, cousin. Voilà, c'est ce que... Là, tu m'as expliqué, ok, pas de problème, mon ami. Je suis dit, attends, je vais lui dire, je peux enlever mes mains. T'as de quoi Tu peux me détacher, je peux enlever mes mains pour lui dire, toi, dans les yeux, ce que je pense. Bon, enlevez-lui, il y a quelqu'un qui a les clés là. Des menottes. Est-ce que c'était un peu serré là? C'est bon? Ah, merci, merci. Et comment il s'appelle le gringo? C'est moi? Non, non, lui là. Eh gringo, viens voir. Ok, je vais te dire les yeux dans les yeux, d'accord? Moi, je suis pas une fiotte, d'accord? Quand je parle pour pas pour rien dire. Je m'excuse, je suis désolé d'avoir insulté ta chica. Je savais pas que c'était... Ça veut dire une personne, voilà, que tu appréciais. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Voilà, je te le dis les yeux dans les yeux. Ok? C'est bon, les gringos, voilà. Maintenant, vous pouvez me payer un petit fajitas. Ce serait bien. Parce que bon, je me suis fait chier dans cette ville depuis le début. Tiens, tu pourras t'en acheter des trucs tranquilles. Oh, hombre, gracias, señor. Merci. Vas-y, tranquille, les gars, on le dépose en ville, les gars. Gracias. Je monte où, là? Tu montes avec les personnes que t'es venu. Je sais pas avec qui t'es venu. Ah oui, j'étais dans la belle voiture, moi. Ça dit quoi, les gars? Vous êtes où, là? Okay. Le bâtard fait tourner, wesh. Oh Bernard, comment on se tire d'une situation merdique, hein? Stylé ou quoi? Stylé ou quoi, Bernard? Oh, quand je leur ai dit, mets-moi un flingue sur la tombe et tire, tu vois, mais je baisserai pas mes yeux, je te dis, je me sentais pas bien. Ah, je me suis dit mort RP là. Là, ça pue la mort RP, je me sens pas très bien, tu vois. Bah, il est où le conducteur? Il arrive, il a pris une taupe. Ah, ça va. Ah, je me sentais pas bien, gros. Quand il dit ça, j'ai dit putain, ça c'est quoi? C'est la roulette russe, tu vois. Soit ça passe, soit ça casse. Tu vois ce que je veux dire? Mais jamais de la vie j'aurais dit oui, je baisse mes yeux, c'est impossible ça. Je baisse pas mes yeux, Fernando Neto il baisse pas ses yeux. Mais j'avoue, c'était Tandax. Je me suis dit putain, il va me mettre une balle et tout. Bernard, t'as des coups ou quoi? Ah non, je veux le déposer. On le dépose au même endroit. C'est lui qui a demandé, ouais. Bah, il monte. Tu vois qu'on n'est pas des siens parce qu'on a eu une très bonne buté, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais... La prochaine fois, tu essaieras de nous parler ou de nous insulter. Ah, moi j'ai pas insulté, moi. Ouais, tu sais, moi c'est juste ta chica, c'est tout. Ouais, bah mais ouais. Pas de problème, amigo. En disant qu'elle va finir dans ton lit, c'est pas insulter ça, c'est pas me provoquer peut-être. Ouais, disons que voilà. Oui, d'accord. Tu sais, c'est... Là, regarde, pourquoi t'as pris à part? Parce que tu parles, en fait. Tu vois, là, t'es venu, tu parles. Tu aurais été avec tes petites copines. Ça aurait pas été la même.
Hombre, je viens de te dire, je les connais pas, je suis avec eux ou pas avec eux, pour moi c'est pareil, tu me connais pas bien encore. Tu vas me connaître, j'en ai rien à foutre de personne, moi. Je parle quand y'a des gens, quand y'a pas des gens, c'est pareil. À ton avis, regarde, je te parle, je suis pas masqué, je te parle. Ouais, bien sûr, moi j'ai pas de problème, masqué ou pas. Moi tu sais, la puta, je vais pas aller les voir, j'en ai rien à foutre de la puta. Je leur crache à la gueule, ces connards. Surtout ce petit connard là, la petite merde là qui part comme une grosse conne.